Je m'appelle Frédéric Barodi et je dirige la société Dive IT. Notre activité repose sur l'hébergement de données informatiques, de serveurs. On appelle ça des data centers, c'est connu sous ce nom-là. Et nous avons défini un produit qui révolutionne totalement le monde du refroidissement, la fonctionnalité de refroidir les serveurs en les immergeant dans un bain d'huile. Et on limite ainsi les coûts énergétiques, mais également l'impact carbone inhérent aux data centers, ce qui est un gros sujet aujourd'hui. Après 25 années passées en Outre-mer dans ces métiers de l'infrastructure informatique, j'ai choisi de revenir dans ma région d'origine, de revenir dans mon Vaucluse natal, parce que le Vaucluse est pour moi un territoire qui rayonne à la fois sur la Méditerranée, sur l'Europe en général, et c'est surtout un contre-pied aux images que nous avons de nos régions, qui ne sont pas les régions les plus connues pour la partie high-tech. Eh bien, j'ai décidé de valoriser et de rendre au Vaucluse ce qu'il m'a donné par mon éducation et de rayonner sur l'Europe, je l'ai dit, mais également sur l'Afrique, où on a beaucoup de projets, mais toujours en mettant en avant ce côté, je dirais, le Vaucluse est pour moi à la croisée des routes, la croisée des cultures, la croisée également des images que peut véhiculer notre région. Creativa, c'est finalement offert à nous de façon évidente parce que nous avons toujours travaillé, on a toujours préféré travailler dans des pépinières d'entreprises qui fédèrent une énergie particulière de jeunes entreprises, dans des entreprises innovantes, des jeunes créateurs, des jeunes administrateurs. Et pour moi, Creativa, non seulement est dans un lieu magique, on le voit, Agroparc est aujourd'hui une véritable vitrine. Quand je reçois mes visiteurs qui ne sont pas de la région, ils sont reçus dans des conditions admirables, on le voit autour de nous. Donc Creativa, pour moi, au sein d'Agroparc, correspondait au-delà de mes rêves les plus fous de ma réimplantation dans le Vaucluse. Nous venons de participer au plus gros salon du data center en Europe qui s'appelle Data Center World à Paris en novembre dernier face aux plus gros acteurs du monde des data centers en Europe. Et notre activité, bien que modeste, finalement a remporté le premier prix de l'innovation face à tous les grands acteurs. Cette reconnaissance est venue des visiteurs eux-mêmes et pas du tout d'un jury trié sur le volet. Chacun spontanément a trouvé que notre démarche était honnête et correspondait foncièrement à un vrai besoin d'écoute de leurs besoins en général. Chez Dive IT, nous croyons fortement à l'aspect vertueux de cette activité, puisqu'elle part du principe que plus aucune énergie n'est gaspillée. La chaleur dégagée par les serveurs est transférée vers de l'eau, et aujourd'hui nous travaillons aux différents moyens qui existent aujourd'hui techniquement pour valoriser cette énergie, pour produire une nouvelle énergie à partir de cette énergie. Nous sortons une eau aujourd'hui entre 50 et 60 degrés. Donc on essaie de s'associer à des consultants en énergie qui essaient de produire de l'énergie à partir d'une telle température. Aujourd'hui, nos clients sont attachés à réaliser des économies, ça c'est le premier sujet. D'autre part, ils voient la véritable possibilité de, encore une fois, agir sur le climat. Ces clients sont majeurs aujourd'hui, je ne vais pas forcément vous les citer ici, mais nous avons des grandes administrations, mais nous avons aussi des communautés d'agglomération, par exemple, qui n'ont pas forcément les budgets pour investir dans un data center traditionnel. Nous sommes en mesure de répondre à leurs attentes aujourd'hui, en plus avec une dimension vertueuse, de véritable impact sur la planète.